Et bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur God of War. Nous en sommes à l'épisode 3 et jusqu'ici les deux premiers épisodes étaient juste incroyable comme d'habitude. Allez chercher de quoi boire, de quoi manger, mettez-vous dans le noir, mettez un casque, des écouteurs pour être encore plus dans l'immersion. Et oubliez pas le petit like qui fait toujours plaisir évidemment. Et regardez comme ce jeu est sublime. Regardez aussi la fluidité. Franchement je suis très étonné parce que la PS4 elle commence mine de rien à dater. Elle a 5 ans et pour une console à 400€ qui date de 5 ans, vous imaginez que y a du beau chemin. On peut descendre. Mais attendez, on peut aussi monter. Bougez pas, je sais plus vraiment d'où je viens. Je crois que je viens d'ici. Hein. Je viens d'ici et d'ailleurs finalement quand on y pense. Attendez, qu'est-ce qu'on a là? Ok, je suis jamais passé par ici. Dis, combien de temps on va mettre pour atteindre la montagne? Je ne sais pas. On y sera avant l'hiver? Je ne sais pas. C'est bon, c'est bon. Je vais pas vous mentir. Que franchement les voix me donnent des frissons. Alors j'ai regardé en VO un petit peu ce que ça donnait, elles sont forcément un petit peu mieux, elles sont magnifiques, je le mets en VF pardon, pour faciliter la compréhension pour ceux qui sont sur mobile ou autre, parce que lire des petits sous-titres c'est pas spécialement évident, mais même en VF franchement c'est plutôt propre. Attends mon signal. Zone découverte. Ok, très bien. Est-ce qu'on va les attaquer? Attends, occupe-toi de lui. Tu veux t'occuper de qui? Occupe-toi de lui. Ça, c'est pas mal, ça. Je suis fier de toi, mon fils. Je suis fier de toi, mon fils. Allez, go, les gars. Oh là là, cette fluidité incroyable. Hop, ça. Oh là là. Ça, on l'avait pas eu. Si, on l'avait eu. On l'avait eu sur un ennemi bleu. Attention. Coupe l'esquive latérale. Ok. Je vais pas prendre la hache, hein, pour l'instant. Je vais pas prendre la hache. Boum. Hop, normalement. Bougez pas. Ça, on le termine sans aucun problème. Je vais pas prendre la hache, il est où le dernier? Il est là. Il est là. Parce que j'ai bien envie de m'amuser. Alors, il faut savoir une chose. Oh, ça c'est beau ça. Oh là 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 là. Mater cette fluidité. Moi ça me surprend. C'est incroyable, hein, vraiment. Horizon m'avait mis une claque, mais là, God of War continue sur sa lancée. Lui, c'est terminé pour lui. Hein. Il sait plus où il habite. Voilà, c'est fini. Hop. Ok, on a quelque chose, on a une stèle, très bien, très bien, très bien, on va essayer de déchiffrer tout ça. Indicateur de menace. Les indicateurs de menace autour de Kratos pointent vers les ennemis hors champ. Un indicateur doré signale un ennemi proche, très bien. Un indicateur qui clignote en rouge annonce une attaque imminente. Ça c'est bien pour esquiver, on s'en rend pas compte. Alors peut-être que en normal, et encore je pense qu'on va pas mal l'utiliser, mais dans les modes de difficulté au-dessus, un coup ou deux, vous êtes mort, donc c'est très important. Et les indicateurs qui clignotent en violet annonce un projectile. Très très bien. C'est pas mal. Faire volte-face. Oh là 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 là. Ça c'est cool. Ça c'est cool de ouf. Ok, très bien. Allez, on est parti. J'y vais à la hache. Je m'en bats les couilles. Voilà, ça dégage. En fait, là, j'ai beaucoup moins de coups. Peut-être un peu plus efficace. Ça dépend de l'adversaire finalement. Est-ce qu'on peut faire un finish à la hache? Non, dommage. Bien dommage. On a essayé. J'ai les DLC de préco. Faut que tu m'aides, hein. Atreus, Nimbus, Maximus, né d'un père assassiné et d'une mère totalement morte, décédée, brûlée. Il va falloir m'aider, mon frérot, hein. Et ça engoule. Voilà. Ça, c'est pas un problème. Allez. Voilà, faut mourir, monsieur. Ok, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est de la vie, ça, c'est cool. Vous êtes combien, les gars? Vous êtes combien? C'est un gang. C'est un gang d'hommes arbres. Oh là 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 là, ce que t'as pris, mon frère. Non, il a totalement pris ce qu'il mérite. Attendez. Ne les laisse pas souffler. Ok, ne les laisse pas souffler, c'est-à-dire que ça, c'est le projectile. Très bien, très bien. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Ils arrivent quand même à me toucher, c'est assez terrible. Ça doit être tellement... Oh, oh c'est beau, ça. Ok. Oh, c'est... Oh, c'est beau. Ça, c'est beau, c'est plaisant. Ça mange pas de pain. Ça, on arrache, évidemment. Si tu veux m'aider, fais diversion. Distrais ceux dont je ne peux pas m'occuper, mais uniquement si c'est sans danger. Je peux le faire. Regarde. Oh, c'est tellement stylé. Atreus. Il y a un campement de Jotnar là-bas. Des Jotnar? Des géants. Tu sais lire ces inscriptions? Certaines. Uniquement les langues que maman connaissait.
Mais elles se ressemblent toutes, alors parfois j'arrive à comprendre, même si je les ai pas apprises, tu vois. D'accord, ça c'est très important. Atreus peut lire certaines indications. Ça c'est plutôt cool, il est temps d'afficher la carte. Ok, où sommes-nous? Là, on se rapproche. Clairement, on avait des choix. Clairement, on avait des choix de chemin. Le jeu est assez libre, mine de rien. Alors, c'est pas un open world jusqu'ici, mais c'est, entre guillemets, un semi-open world, parce que je pense qu'on avait le choix du chemin. On va continuer tout droit, on verra. Par contre, j'ai eu le temps de pouvoir rentrer des codes de l'édition collector qui me permettent normalement d'avoir des tenues un petit peu plus stylées. Donc, on va voir si on peut les mettre. J'ai un doute, hein. J'ai un doute jusqu'ici. Armes. Yes, j'ai trouvé. Très bien, voilà. Donc ça, c'est les 4 boucliers de l'édition. Oh, il est stylé le premier. Lui, il est stylé aussi quand même. Hein. Lui, il est vraiment stylé. Hein. Eh, les gars, au pire, on changera. Il est vraiment propre, celui-ci aussi. Donc, les 4 boucliers bleus, c'est juste des skins. Hein. Ça change pas la fonction du bouclier. Mais c'était si tu précommandais l'édition collector. Sachant que j'ai eu un press kit de la part de Sony. Et que j'ai aussi acheté l'édition collector de mon côté. Parce que, les gars, God of War, hein, finalement. J'ai pu avoir le code de précommande, aucun souci. Donc on peut monter. Il y a un camp de géants là-bas, hein. Je sais pas trop à quoi ça ressemble pour le moment, les géants chez eux. Ok, le voyage, le chemin de la montagne. Continue en direction de la montagne, très très bien. Waouh. Non mais il était vif celui-là. Il était totalement vif. Je vous avoue ne pas avoir été spécialement prêt. Ça dégage. Hop, ça dégage, hein. Même à terre on peut les arracher, aucun problème. Je prends des heals. Espace tes tirs, la vitesse te fait perdre en précision. Compris. Ok, c'est un bon conseil. On a un beau coffre là. On a. Oh, il ouvre à l'ancienne. Ça c'est stylé. Allez, boum. Qu'est-ce qu'on a là? Attaque runique rapide. Soudaine explosion d'énergie qui interrompt et renverse tous les ennemis à proximité. Pardon. Une attaque runique. D'accord, je peux m'en équiper. Ok, c'est fait. Chaque attaque runique dispose d'attributs et d'un temps de récupération. D'accord, donc ce petit arbre, c'est ma hache qu'on va pouvoir, je pense, améliorer ou du moins en trouver d'autres. Pouvoir et gemme qui augmente la puissance ou autre pouvoir, donc double pouvoir latéral. Ah, il a l'air d'avoir sorti le bouclier, très bien. Ok. D'accord, c'est bien ce que je pensais, c'est L1, R1. Aucun souci les gars, L1, R1, très bien. On est parti, on continue. Oh là là, qu'est-ce qu'on a là? Je peux... Hop, on sait jamais, hein. On sait jamais sur un malentendu. Ok. Attendez, on peut faire quelque chose ici, mais je... Ah d'accord, c'est carrément... Wow, comment t'as fait ça? Ah non, fallait juste faire le petit tuto, fallait se débarrasser de ça pour pouvoir continuer. Merci. C'est parti, on y va. Bon, là, c'est mon gamin. Voilà. Il est un peu étonné, c'est normal. Attends. Si je peux me procurer du bonheur. Ça craint rien. Oh là là, il va se faire arracher. Ah, mais c'est pas vrai, mais il va pas écouter ce gamin. Père, aide-moi. Accroche-toi. Vite. Je glisse. Reste calme. J'y suis presque. C'était pas si mal. Calme-toi. Ton empressement nous tuera. Désolé. Oh, encore des drogards. Mais ceux-là bougent pas. Ils sont morts. Enfin, plus morts. Atreus. Ils sont pas morts, ils sont pas morts. Ok, niveau de difficulté des ennemis. Putain, carrément, mais c'est incroyable. Le niveau de difficulté des ennemis est représenté par la couleur de leur jauge de santé et le chiffre situé à gauche. D'accord, donc carrément, ils ont un niveau très bien. La couleur des jauges de santé des ennemis varie du vert au violet en fonction de leur puissance comparée à celle de Kratos. Très bien, très bien. La précision avant la vitesse. Ok. Donc on peut en mettre KO pas mal. Hop. Oh, ça c'est bon, ça on l'a chopé celui-là. C'est terminé. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh Jésus! Il est en feu! Ok, ça on prend. Allez, regardez-moi ça. Ça c'est cadeau, hein. Ça mange pas de pain. Eh,
insane cette attaque, hein, vraiment. Allez, ça dégage. Hop, ça en monte en l'air. Oh, il y a encore des instructions, très bien. Aïe! Ok. Ah putain, mon attaque, je crois qu'elle doit se recharger. J'ai le mode rage, hein, j'ai le mode rage, vous l'avez vu. Mais on va pas l'utiliser pour le moment. Waouh! Ok, j'ai réussi à esquiver. Ça, c'est fait. Regardez comment je maîtrise votre pote. Non, je l'ai eu, Atreus, t'en plains pas trop, frérot. Aïe! Lâche un like, Atreus, lâche un like! Ok, c'est bon. Oh putain. Heureusement que j'ai rappelé l'âge à toi, hein. Allez, ça dégage. Très bien. Bon, on va s'occuper d'en haut maintenant. Atreus, frérot. Ok, c'est pas mal. On va s'occuper de lui maintenant. Ok. Petite esquive de projectile, ça c'est pas mal aussi. On commence à bien gérer. Hop, petite esquive. Ça, ça dégage. Et ça, ça dégage. C'était le dernier. C'était stylé, hein. Prends encore plus de temps. C'était vraiment stylé. Peu importe si tu ne tires qu'une fois. L'important, c'est la maîtrise. Et n'oublie pas, Atreus, l'important c'est aussi de participer. On n'oublie pas, les amis. Quitter les ruines. Eh, aucun souci, hein, je demande que ça. Par contre, là, on a quelque chose, on a une petite stèle. Viens, fils. Traduis-moi ça avant que je t'arrache. Lila. Non, tu t'exécutes. Oh, c'était une sorte de marché. Les géants se rassemblaient ici pour commercer avec les dieux, il y a très longtemps. Je me demande si Odin est venu ici. D'accord, donc... Odin, dieu de la foudre, me semble-t-il. Pas envie de dire n'importe quoi. Il y a quelque chose derrière le mur. Ah! Ah! Ok. Ok. On va essayer de varier les plaisirs. Allez, go! Allez. Ça, c'est fini, hein. Ça, c'est des patates. Désolé, mon frérot, j'utilise le mode rage sur toi. Oh, ça dégage, hein. Pas le temps pour tes conneries, hein. Ah! Ouais, mais ça, par contre... Ça, faut prévenir, les gars, hein. Je pensais pas que vous étiez aussi nombreux. Plus dur de la part du joueur. Sans con, moi. Oh, c'est beau, ça, le coup bouclier, bordel. Non, 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 je vais mourir. Oh là là, c'est chaud. Non, 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 fils, 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 fils. Putain, fais pas ça, Atreus, t'es fou. Aïe. Fils, tu vas me tuer. Putain, il va me tuer, ce con. Ok. C'est pas mal. Non, 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 il n'y en a pas d'autres, il n'y en a pas d'autres, il n'y en a pas d'autres. Oh là là. Ce coup de la part du joueur, prends con, il va me tuer, il va me tuer, il va me tuer. Atreus, on n'est pas bien. Ok. J'ai pas le choix, hein. J'ai pas le choix. Oh là là, c'était compliqué, hein. Là, les gars, on va pas faire les Américains, c'était assez compliqué. Ok, très bien, ils viennent de là. Les gars, il me faut de la vie impérativement, parce que sinon... Qu'est-ce que c'est? On verra bien. Ne t'éloigne pas. Très bien, c'est bon, on a notre vie. Je crois même que c'est un peu life limit, impeccable. Ok, on va souffler. Qu'est-ce que c'est? Très bien, on a un petit truc caché ici, ça c'est cool. On s'approche du champ bizarre alors. C'est brûlé !
Ok. Ok. Là, je vois pas comment l'avoir. Mon épée, mon épée. Je ne vois pas comment l'avoir. Comment je peux... Attendez. D'où Jésus de Nazareth. On m'a mis ce que je méritais, hein. Deux coups de bâton, on n'en parle plus, hein. Ok, c'est pas mal. J'ai compris. Ok, c'est pas mal. Ça, c'est beau gueux. Ça, c'est moins beau gosse. Il y a Catrius qui peut faire quelque chose. Ok. Ça, c'est pas mal aussi. Ok, vas-y, Atreus. Il y a plus, hein. Il peut l'arracher, hein. Ok, ça, c'est pas mal. On a foncé, on a profité de l'opportunité. Allez. Non, oh putain, mon gamin il est un petit peu limité. Il est où? Allez, arrache-moi ça! Je suis presque prêt! Oh la vache! Il était pas évident, hein! J'aurais jamais pensé avoir une boss si près. Utiliser de l'XP pour acheter des compétences. Les gars, on va pas tarder à y faire un tour parce que là, je vais pas faire l'américain, mais les combats sont quand même assez. Pas compliqué, bah non, ça serait noob de dire compliqué, mais intense. Déjà dit, je ne sais pas non plus. Ok, très bien. On a pas mal de choix. Soit on descend, là on a un coffre, on va forcément le prendre, vous vous doutez bien. Hop, excusez-moi. Mes réflexes. Très bien, acier doux. Donc, on a du stuff. Enfin, on a obtenu du loot. Pourquoi ? Aucune fichue idée. Ok. On a un beau coffre. Je pense que celui-là, c'est de l'optionnel. On a un très beau coffre, je dirais même. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est un pour le mode rage. Ok, très bien. On est encore en phase de tuto, hein, de compréhension du jeu, les gars. Bon, bah, ça en prend. Il a l'air magnifique, hein, ce coffre. Hein. D'où Jésus. D'accord, donc il y a trois symboles, vous l'aurez compris. Saut détruit, très bien. Ouais, en gros, ils peuvent être un petit peu partout. Alors, je me doute que c'est dans les environs, d'accord? Très bien. Plutôt, t'as dit que des gens essaieraient peut-être de nous détrousser. Je les tuerais s'ils essaient, j'ai pas peur. Si on rencontre des hommes, tu resteras à l'écart. C'est compris? Mais... je peux me battre maintenant. Tu resteras à l'écart, Atreus. Un point, c'est tout. Allez, hein, Atreus, tu fermes ta gueule immédiatement. Hein. Là, ça commence à bien faire. Hein. Ok, on va prendre ça. Allez, je le veux, hein. Je le veux, ce coffre. Il a l'air insane. On a quelque chose ici, mais... peut-être le chemin alternatif. On peut descendre. Vous croyez que c'est de l'autre côté? Je doute, hein. Ok, on sait jamais. Waouh, bien joué à lui. Ok, jusqu'ici pas important. On va attendre, on a encore un peu de vie. Oh putain, c'est lui, d'où Jésus. Il faut que j'aille de l'autre côté. Il faut que je trouve impérativement un moyen d'aller de l'autre côté, et je l'ai. Impeccable, on va l'avoir, ce coffre. Parole de Kratos, les gars. Ça, c'est incroyable. Les gars, il y a tellement de chemins, je sais plus où me donner de la tête, c'est terrible. Vas-y, bah, ça je veux mon neveu. Attends, c'est quoi ce problème? Il y a un petit bug là, non? Attends, on va s'occuper de lui. Ok. Ok, donc lui par contre, je
pense qu'il faut le counter au dernier moment. Maintenant c'est bon. Ok, très bien. Ok, très bien. Je peux avoir compris. Je crois avoir compris, très bien. Peut-être aller derrière lui grâce à un petit coup. Non, même pas, même pas, même pas. Très bien, très bien. Je comprends pas encore comment le... Si l'H marche pas, on va peut-être juste l'arranger. Ah oui, d'accord. Ok, non, non, fallait juste lui mettre des patates. Très bien. Donc un coup de hache, ça le gêne pas. Oh non, non, non. Je me casse. C'est bon, c'est trop là. Là, c'est trop. J'arrive, j'arrive. Je vais juste regarder ce qu'il y a dans ce coffre. Allez, c'est parti, fais-moi rêver, putain. Aïe, 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 une rune. Oh, épique. Pomme d'Idun. Vous avez collecté une des trois pommes. Je sais pas comment ça se prononce, je suis désolé, les gars. Nécessaire à l'augmentation de votre santé maximale. D'accord. Les pommes d'Iun. D'Iun, mais il y avait un D, je ne comprends pas. Sont la nourriture privilégiée des dieux. Au total, 9 pommes sont cachées dans le monde, dans des coffres scellés magiquement. Dès que vous en collectez 3, votre santé maximale augmente. Assez insane. Il n'y en a que 9. On en a une sur 9, les gars. Donc, franchement, propre. Ok, on va faire celui-là. Des flèches. Là, cette histoire, c'est compliqué. Hein. On a encore une ressource. Ok, ça, on l'arrache. Ok, ça, c'est pas mal. C'est compliqué. Je commence à prendre ce que je mérite, très clairement. Ok. Oh là là, ils sont insane. Ils sont insane pour le moment. Oh là 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 là. D'où Jésus. Ok. Faut que je déloque l'adversaire. C'est pas bon, hein. Je vais mal terminer, hein. Je vais mal terminer ces conneries. Ok. On esquive. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est des combats très 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 intenses. Oh, d'où Jésus, d'où Jésus. Aïe 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 aïe. J'ai pas. J'ai encore un petit peu de mal avec le lock. Oh, ça dégage. Ça, ça va au fin fond des enfers. Hein. C'est cadeau, c'est Bibi qui régale. Hop, ça, ça dégage. Oh, oh, oh. Ça, c'est expéditif. Ok, c'est pas mal. Je commence à comprendre comment les avoir. Faut juste attendre une flèche et je peux assimiler un ou deux coups. Aucun problème. Vous voyez, il suffit d'envoyer la flèche d'Atreus en parallèle. Et aucun problème. Alors attendez, quand j'ai un problème, tout est relatif hein, encore une fois. Donc voilà, faut faire un remix des deux. C'est pas évident, hein, vraiment. Ça peut paraître simple, mais vu qu'il se TP à chaque fois qu'on le touche, il faut les flèches d'Atreus. Ok. La vache. On a épuisé. Non mais attends, t'es sérieux? Attends, d'où t'envoies les flèches de l'autre côté d'une porte, frérot? Attends, attends, quelle est cette sombrerie? Ok, on va récupérer les heals. Je sais pas par où passer, vous avez vu le nombre de chemins qu'il y a. C'est vraiment incroyable. Qu'est-ce que tu fais là, frérot? D'où t'es passé de l'autre côté? À quel moment de la journée tu fais ça? Je ne comprends pas. Ok. Comment il est passé de... Mais... D'où Jésus, Atreus? Tu es un tricheur! Atreus, tu m'as pas dit! Bon, les gars, il y a énormément de chemins différents. Je ne sais pas par où passer et je suis même quasi sûr. Il faudrait qu'on arrive à remonter là-haut. Mais comment? Suis-moi. Ok, on a un coffre ici, très bien. Hop, sur un malentendu, on essaye.
Ça, c'est pas un problème. Ça, c'est pas un problème. Bah, les gars, faut qu'on retourne encore en arrière, je pense, hein. Vraiment, hein. Attendez, attendez. Ça a marché. Allez. Ah, mais les gars, faut qu'on retourne, pardon, en arrière aussi. Je comprends pas. Tellement de choses à faire partout, putain. On le fait, les gars, hein. Faut vivre notre aventure à fond, hein. On vit qu'une fois, hein, comme on dit, hein. C'était quoi, là-bas, alors? Ouais, putain, ça, c'est l'enfer, aussi. Ça, c'est l'enfer, très clairement. Oh, ça, c'est dans ta gueule, hein. Hop, ça, on soulève comme la Coupe du Monde. Ok, c'est bon. C'est bon, on a une porte. Ah, d'accord, très bien, c'est une fresque. Impeccable, impeccable. En plus, on fait, les gars, on se régale dans cet épisode. Que du combat. On a très très peu avancé finalement. On a dû faire quoi, 2 zones. Mais on a l'impression, waouh, c'est tellement intense. On a l'impression de grave avancer, mais pas du tout. Je sais pas comment vous expliquer. Allez, ça dégage. Pas le temps pour vos conneries, hein. Ça, on ramasse les Atreus. Bien. Quoi? Quelle est cette sombrerie? J'ai besoin d'Atreus. J'ai déjà vu ce langage. Ok, connaissance ajoutée, très bien, nouveau parchemin trouvé. Bon, ça on ouvre, on va en apprendre un peu plus, calme-toi. Atreus, il y en a un autre. Ça dit que son nom est Rungnir. Ner m'en avait parlé, un guerrier géant fait de pierre. Il la prépare à une grande bataille, on dirait. Odin est là, et Thor, et même le serpent monde. Oh, Thor a dû lui fracasser la tête, tu vois. Mais là, il est écrasé sous le corps de Rungnir. Idiot. D'accord, presque trouvé, 2 sur 11. Donc je suppose que quand ils disent 11, ils parlent de la région. Oh putain, on a quelque chose ici aussi. On a des choses partout. On a un coffre aussi ici, très bien. Partout, les gars, il faut avoir les yeux partout. Donc le chemin était derrière, mais là on a quelque chose aussi. Qu'est-ce que ça peut être? Pierre de vie. Vous croyez que... Ok, ça c'est une porte géante. Un petit coffre, ça c'est pas mal, on prend. Il y a des choses partout, c'est incroyable. Ok. De l'argent, de la thunasse, ça fait plaisir la mif. On va pouvoir s'acheter des choses assez sympas. On en a combien de temps là, les gars? Oh putain, on est déjà à la demi-heure. J'ai l'impression qu'on n'a pas avancé. C'est terrible et incroyable en même temps. On va essayer de ramasser, bougez pas. Encore une fois, il y avait un coffre là-haut. S'il y a une ouverture ici, c'est qu'on peut forcément faire quelque chose, non? Non, le coffre ici, je l'avais fait, très bien. Bon, écoutez, on va s'arrêter là, je pense. On va s'arrêter là, on est très très bien. On est déjà à une demi-heure de record. Mais en tout cas, waouh, quand tu vois tout ce qu'il y a à faire, t'as pas l'impression d'avancer, mais en même temps, t'as l'impression de faire des choses à chaque fois différentes. C'est pendant un gros gang. Je pense que dans le prochain épisode, on va s'attarder un petit peu sur les menus, hein, ce qu'on peut acheter et tout. Regardez, là, on peut ouvrir quelque chose, mais alors comment? Oh, c'est terrible, hein, c'est terrible. Et là, on a quelque chose aussi, très bien. Allez, je vous fais des bisous, n'oubliez pas, j'aime le commentaire. A très bientôt tout le monde pour la suite de notre aventure. Ciao, ciao.